Bonjour. En fait, aujourd'hui est un autre jour. Nous parlons aujourd'hui d'un concours. Il s'agit d'un concours particulier, du concours d'entrée dans une grande école, dans l'une des écoles les plus prestigieuses du Cameroun. Il s'agit de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé 1. C'est l'une des écoles les plus prestigieuses, c'est la plus ancienne des polytechniques du Cameroun. C'est polytechnique mère, si on peut dire comme ça. Il y a aujourd'hui plusieurs formations qui sont disponibles à l'École nationale supérieure polytechnique. Nous allons vous donner la lecture tout à l'heure de l'entrée en troisième année pour le cycle ingénieur en arts numériques et ingénieur du numérique humanité. Donc on va vous donner la lecture. Mais avant, je voudrais attirer votre attention sur quelques notions. Déjà, si vous êtes étudiant, vous êtes élève, sachez que j'ai un partenaire qui vous offre des bourses. Ces bourses, c'est... Vous dépensez uniquement 13 000 francs pour votre formation pendant 6 mois. Je n'ai pas dit 13 000 francs chaque mois pendant 6 mois, non. 13 000 francs pour votre formation pendant 6 mois. Pour l'anglais, des matières scientifiques, anglais de la mathématique, anglais de la physique, anglais de la chimie, anglais de la biologie, anglais de l'ingénierie, anglais, bref, vous formez en anglais chaque samedi et chaque dimanche. Et aussi, vous pouvez aussi vous former en conduite. C'est-à-dire, il a ce partenaire aussi une école qui fait dans les formations. Vous pouvez vous former, c'est toujours à 13 000 francs. 13 000 francs. Mais sachez que lorsque vous payez les 13 000 francs, après vous êtes formé pendant 3 mois ou 6 mois, maintenant, vous devez déposer vos dossiers au ministère. Donc, vous devez déposer vos dossiers. Là, les frais de dossier sont à partir de 13 000 francs. Mais il faut savoir une chose, c'est que les frais de formation à l'école aujourd'hui s'élèvent autour de 120 000 francs. Et plus. Donc, c'est une bourse, c'est une opportunité que ce partenaire offre aux étudiants et aux élèves camerounais, aux élèves qui se trouvent au Cameroun, aux élèves camerounais particulièrement, aux élèves qui se trouvent au Cameroun, plus particulièrement dans la ville de Yaoundé. Donc, je voulais aussi préciser que ceux qui ont besoin de la documentation pour leur prépa concours, nous avons les documents qui sont disponibles. Nous avons vos documents, nous avons les documents disponibles. Si vous avez besoin, faites-nous part. Nous allons vous aider à avoir les documents d'anciens sujets corrigés. Anciens sujets corrigés, vous aurez ça. Les différents concours, vous aurez ça. Je précise aussi, si vous avez besoin des sujets, les sujets sont gratuits. Si vous avez besoin des sujets, vous me demandez simplement ce que je vous ai donné. Mais si vous avez besoin des corrections, les corrections sont payantes. Une correction pour le niveau bac s'élève à uniquement, bon, c'est pas cher. Niveau bac, c'est 1500. Niveau licence, c'est 2500 fois une correction. Donc, si vous avez besoin de deux corrections, ça va faire 5000. Mais si vous avez besoin de plusieurs corrections, et c'est personnellement, c'est moi-même qui corrige, je détaille le maximum possible. Les corrections sont détaillées au maximum possible. C'est-à-dire, même un enfant qui ne comprend rien en mathématiques, rien en physique, va comprendre ce que nous on fait. Qui ne comprend rien en informatique, comprend les corrections qu'on fait. Parce qu'on détaille le maximum possible. Je détaille le maximum possible. Donc, voilà, vous avez besoin de documents. Documents, vous les trouvez dans n'importe quelle ville du Cameroun pour les anciens sujets du concours. Vous avez besoin d'autres types de documents, en dehors des documents des anciens sujets. Faites-nous signe, faites-nous part, on pourra vous aider à trouver les meilleurs documents qui peuvent vous aider à réussir, à bien préparer votre avenir. N'oubliez pas, c'est votre avenir que vous êtes en train de préparer. Donc, nous allons passer directement à la lecture. Je précise, nous travaillons en présentiel. Pour les prépa concours, nous travaillons en présentiel et aussi en ligne. Personnellement, je travaille en ligne, mais si vous travaillez en présentiel, vous vous mettez en contact avec mes partenaires. J'ai des partenaires qui sont aussi anciens, qui fêtent aussi leur 20e anniversaire, comme moi, dans les prépa concours. Ce sont les personnes à qui je fais confiance. Les personnes qui travaillent aussi comme nous, qui sont dévouées dans leurs travaux. Et que n'importe comment, il y a de fortes chances que vous puissiez réussir si vous avez la volonté. C'est vous qui construisez votre avenir, nous vous aidons simplement. Donc, communiqué numéro 24-00-206-MINSUP-SG-DOC-SDAC du 30 avril 2024 portant ouverture d'un concours d'entrée en troisième année du cycle des ingénieurs en numérique artistique et ingénieurs du numérique des humanités à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé et fixa le nombre de places offertes au titre de l'année académique 2024-2025.
Article 1. Concours sur épreuve écrite. Nombre de places. On a 10 places pour les ingénieurs du numérique artistique et 10 places pour les ingénieurs en numérique des humanités. Donc, on a au total 20 places pour ce concours. Pour les ingénieurs en numérique artistique, ils vont composer, ils ont une épreuve de mathématiques qui dure 3 heures, une épreuve d'informatique qui dure 3 heures, une épreuve de culture générale qui dure 3 heures. Pour les étudiants, pour les candidats en ingénieur numérique, en ingénierie numérique des humanités, ils ont une épreuve de mathématiques, une épreuve de culture générale et une épreuve d'informatique. Voilà. Article 2. Les diplômes requis, c'est-à-dire ceux qui peuvent concourir. Quels sont ceux qui peuvent concourir? Conditions du concours. Il faut une licence en informatique, une licence en mathématiques ou un DUT diplôme d'université de technologie en informatique ou en mathématiques ou encore un DEUG. Non, pas en informatique, uniquement en informatique, soit un DUT en informatique uniquement, soit un DEUG, diplôme d'études universitaires générales en informatique ou en mathématiques, ou encore tout autre diplôme reconnu équivalent par le ministère de l'enseignement supérieur. Aussi, les candidats préparant en 2023-2024 ces diplômes-là sous réserve. Donc, ceux qui sont en deuxième année mathématiques, en deuxième année informatique ou en deuxième année DUT, ils peuvent faire le concours sous réserve. Donc, s'ils réussissent, il faudra qu'ils prouvent qu'ils ont réussi. S'ils réussissent au concours, il faudra qu'ils prouvent qu'ils ont fini avec la deuxième année là. Article 3, programme du concours. Programme du concours, c'est celui de mathématiques niveau 1 à l'université, niveau 2 à l'université. Et programme du concours, c'est informatique niveau 1 à l'université, niveau 2 à l'université. Maintenant, article 4, composition du dossier. On a une fiche d'inscription. Une fiche d'inscription à retirer sur le site, à remplir sur le site www.polytechnique.cm/concours. Une photocopie de la CNI, de la carte nationale d'identité. Une copie certifiée de l'acte de naissance qui date de moins de 3 mois. Donc une copie certifiée conforme de l'acte de naissance qui date de moins de 3 mois. Une copie certifiée conforme du diplôme, de l'attestation de réussite du diplôme ou de l'attestation de réussite. Une copie certifiée conforme du baccalauréat. Les relevés de notes du bac, plus les relevés de notes des trois niveaux qui précèdent le concours. Les années passées pour l'obtention du concours. Un curriculum vitae et studium. Quatre photos, 4x4 d'identité. Une enveloppe A4 timbrée à 1500 francs à l'adresse du candidat. Un certificat médical attestant de l'aptitude physique du candidat signé par un médecin de l'administration. Une lettre de libération pour les travailleurs salariés qui auront réussi au concours. Maintenant, article 5. Article 5, droit d'inscription au concours. Le droit d'inscription au concours s'élève à 25 000 francs payé à Express Union contre récépissé. C'est-à-dire que vous devez préciser que le concours est en train de faire et on doit vous donner un récépissé que vous allez mettre dans votre dossier, compléter votre dossier avec. Je précise que ces frais sont non remboursables. C'est précisé bien, c'est non remboursable. Article 6, les lieux de dépôt des dossiers. Sur deux endroits, on dépose un dossier sur deux endroits, soit à la scolarité de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé 1, soit dans les services, soit dans la délégation régionale du ministère des enseignements secondaires des 10 régions du Cameroun. La date limite du dépôt de dossier est fixée pour le 10 juillet 2024, date limite du dépôt des dossiers. Article 7, conditions d'accès à la salle de concours. Deux conditions seulement, la présentation de la CNI et dépôt complet et à temps. Date du concours. Le concours est fixé pour
le 18 et 19 juillet 2024. 18 et 19 juillet 2024. Lieu du concours. Le concours ici aura lieu uniquement à Yaoundé. Uniquement à Yaoundé. Donc, lieu unique, c'est Yaoundé. Donc, le lieu unique, c'est à Yaoundé que le concours va se faire. Et je précise que le ministre va donner, le ministre va choisir, désigner une commission qui sera chargée, c'est-à-dire un jury qui sera chargé donc de faire les études, tout ce qu'il faut pour le concours et sortir la liste de ceux qui ont réussi. Et là, c'est le ministre de l'enseignement supérieur pour publier les résultats de ce concours. Donc voilà, voilà ce qu'on avait à partager au maximum possible cette vidéo. Vous savez, une personne qui fait ce concours niveau licence, dites-lui, dites à cette personne-là que c'est une opportunité qui s'offre à elle, elle peut se former. Et nous sommes là, nous pouvons vous donner un coup de main pour votre formation. Nous pouvons vous aider à mieux vous préparer pour votre concours. Je suis Job Camden, du groupe de répétition. Nous fêtons notre 20e anniversaire, je vous l'ai dit. Et je précise qu'actuellement, il nous trouve dans la région de l'Est, plus particulièrement dans la ville de Batouré. Donc, informez vos voisins, informez vos camarades, informez vos amis que le concours a déjà été lancé. Et si vous voulez vous préparer, nous sommes à votre disposition. Inscrivez-vous tôt, parce que nous allons limiter le nombre de personnes qui vont se préparer dans notre groupe. Nous allons limiter le maximum possible. Parce que corriger les feuilles, ce n'est pas un travail facile. Il faut un nombre de personnes qu'on peut suivre. Il faut un nombre de personnes et c'est la raison pour laquelle vous aurez l'impression que nous sommes chers. Donc, pour ceux qui veulent faire les prépa, par mois, c'est 25 000 francs par mois et par candidat. Et pour ceux qui veulent payer pour tout, donc pour toutes les prépa, on pourra vous faire un prix. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Je précise, cet arrêté, l'arrêté de ce concours peut être trouvé soit sur la page Facebook du ministère de l'enseignement supérieur, soit sur la page Facebook de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé 1. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. On se voit prochainement. Ciao.